une décision chaude. Tu vois, je suis triste. Je suis triste parce qu'on a perdu un match. Je suis triste parce que j'ai vu que mes joueurs, ils n'étaient pas solidaires. Je suis triste parce que je vois que les gens ne sont pas solidaires avec un club. Je suis triste parce que on essaye de donner des solutions sur le terrain, des solutions psychologiques, tactiques, physiques, ce que tu veux. Mais même dans le staff technique, il commence à se casser parce que c'est normal. C'est normal. Chacun, on est être humain, chacun il voit une chose que peut-être ça ne lui plaît pas. Et quand la tension est très 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 haute, on se trompe. Pourquoi tu m'as regardé mal? Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as fait l'autre? Et ce n'est pas la faute à nous, la faute à la personne qui se fâche. C'est la faute à toute la situation qui existe en ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire moi? Ça touche ma carrière, ça touche... Oui, oui, beaucoup. Ça touche beaucoup, on travaille beaucoup. Et voilà, on ne peut pas... Il y a un moment où tu dis basta. Basta, c'est fini, monsieur. Écoutez, s'il y a un magicien qui vient, parce que on ne peut pas doper mentalement plus les joueurs qu'on l'a fait, parce que ça revient contre nous. Et maintenant, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui peut s'arriver. Oui, on peut gagner des matchs. On peut se sauver. Mais quel est le prix qu'on va payer? Le prix de la santé? Le prix de se bagarrer entre nous? Le prix de commencer à pleurer et crier tous les jours? Le prix de quelques joueurs de ne pas manger? Écoutez, quel est le prix? Oui, moi, je savais que c'était difficile de venir à la Chevrolet, mais les promesses qu'on m'a fait à moi, pour les gens qui sont partis, et je le répète, les gens qui sont partis, qui se sont réunis avec nous le premier jour, c'est que les choses vont aller beaucoup mieux que l'année dernière. Alors, le président, il se trouve noyé tout seul, et c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et je répète, ça n'a rien à voir avec tactique. Ça n'a rien à voir avec technique. Ça n'a rien à voir. C'est totalement psychologique. Et on ne peut pas isoler les joueurs tout le temps. On vit dans une petite ville de 50 000 habitants. C'est impossible. C'est impossible. Et là, on commence à créer les mauvaises intentions. Que Syrie ferme, Paris ferme, arabe, pas arabe. Qu'est-ce qui crée ça? C'est tous ces petits faux problèmes qui sont en train de nous emmener à un problème beaucoup plus.